untouchable. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet du thème d'aujourd'hui, donc comme c'est noté, comme vous pouvez le lire, je suis peu actif, peu d'activité sur la chaîne avec peu de vidéos postées depuis presque 3 semaines. Tout cela merci les vacances. Et oui, je suis en vacances donc pas beaucoup de vidéos malgré plusieurs projets qui sont en préparation que j'avais commencé avant les vacances. Mais faute de temps, je n'ai pas le temps de les faire. Évidemment, les vacances, il faut que je profite aussi également de moi, de mon temps disponible et de surtout de ma famille, évidemment. Donc, un petit ralentissement dans mon activité YouTube. Mais ça va reprendre prochainement puisque les vacances se terminent. Donc, retour à la normale début septembre avec des vidéos qui sont en préparation que je posterai assez rapidement. Et surtout la GDC multiclan multimensuel, je vais poster prochainement une vidéo. Voilà, donc sinon, le thème d'aujourd'hui, c'est une composition AQH, Valkyrie et Bouliste dans le CDC avec des gameplays du clan, la Jajascab, principalement, des gameplays de Geoship et Kevs qu'on va voir tout à l'heure. Donc ils utilisent une composition d'attaque avec 7 Valkyrie, quelques sorciers, 5 cochons et quelques Valkyries, 6. Et donc le but est de faire un double walk, un queen walk classique. À côté, un peu plus loin, un bullist walk. Donc j'avais déjà posté des vidéos sur cette thématique, mais c'était pas forcément sur des HDV9. Donc c'est pour ça que je vous propose ces gameplays qui sont super jolis et cette composition est vraiment très efficace. On voit là, c'est en des attaques en pleine GDC sur des villages qui ne sont pas forcément faciles hein, avec des HDV9 maxés en termes de défense, et de rois assez élevés. Donc classiquement, cette attaque commence par un walk, un queen walk dans un coin et un bullist walk dans l'autre coin. On nettoie très très bien les coins. Ensuite, on envoie les Valkyries au milieu. Voilà, ça va détruire le mur, ça va rentrer dans le cœur du village et on enrage. Donc là, il a envoyé un rage. Donc on sort deux rages, un soin et un saut qui est très bien placé pour faire entrer les Valkyries au cœur du village, le héros et surtout également les boulistes. Donc on voit que quelques boulistes sont sur le côté, c'est très bien puisque ça va nettoyer. Et à fur et à mesure que ça avance, il a envoyé les cochons pour cibler les défenses qui étaient en train de targeter, de cibler les héros ou les boulistes à l'intérieur du village. Donc on voit ici qu'on est à 70% déjà. Il reste quand même pas mal de guérisseuses, il reste encore les boulistes, quelques boulistes, et surtout les héros. Nous avons la reine qui a encore sa capacité, le roi également sa capacité, full point de vie, et surtout vous avez la guérisseuse en appui. Donc on voit que cette attaque est vraiment très très efficace si elle est bien menée. Donc on a vu que il faut un double walk, un queen walk et un bullist walk de chaque côté et surtout bien nettoyer les côtés et envoyer ensuite la petite masse, puisqu'il n'y a pas beaucoup hein, finalement de Valkyrie, on avait 6 à l'intérieur avec quelques sorciers. Le sorcier surtout, ça va détruire le château essentiellement. Et puis bah, le sort de poison évidemment en plus. Deuxième attaque avec toujours Geoship. Donc sur un autre HDV 9 également maxé, full maxé en défense. Donc le 13e contre le 14e. Toujours avec la même composition, on voit bien 7 guérisseuses Valkyrie 6, 5 sorciers. Et donc le même principe avec une attaque, un début de queen walk sur un coin, donc là pour nettoyer un maximum. Donc là ce DC il est sorti, il va sans doute mettre son poison. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a quoi, des Valkyries et des gargouilles. Donc il a fait des versions avec un petit sorcier, donc ça a détourné un peu la Valkyrie, ce qui laisse un peu légèrement tranquille la reine pour la tuer et se débarrasser également des derniers sorciers et archers du CDC. Voilà, donc là le CDC est déjà éliminé. La reine va faire son taf de nettoyage sur le côté. Et prochainement, hein, je vais vous poster une vidéo sur une petite optimisation, une petite astuce pour optimiser au mieux le queen walk. Donc ce sera dans une prochaine vidéo, à la rentrée du coup, je pense. Voilà, pour ne pas vous dire la date exacte, je ne sais pas, mais en tout cas très prochainement.
Donc voilà, donc la reine qui fait très bien son taf avec un sort d'orage sur la guérisseuse qui a permis de faire revivre, si on peut dire, la reine, hein, qui était bien targetée par les défenses. De l'autre côté, elle a envoyé donc les boulistes qui ont bien nettoyé et on envoie ensuite les Valkyries. Valkyries, il faut pas que ça tourne, absolument pas. C'est l'erreur, pardon, à ne pas faire sur ce type d'attaque. Sinon, on peut dire que vous allez faire un fail. Voilà, parce que les Valkyries, quand même, vont éliminer une bonne partie des défenses avec le sort de saut pour les faire entrer dans les différents compartiments du village. Voilà, boum, les Tesla sont éliminés, les canons, les deux arcs X sont également. Un arc X, pardon, a été éliminé. Donc, tout ça, c'est un travail qui doit être fait par les Valkyries, les quelques sorciers de cette composition. Et ce qui va rester, ce sera à nettoyer progressivement de manière chirurgicale. On voit également ici avec les cochons, puisque l'arc X maintenant il target la reine et les boulistes, ce qui laisse les cochons tranquilles. Ils ont détruit la TDA. Là, ils s'attaquent à l'arc X. Donc, bon, il y avait le canon qui a pris un peu la défense de l'arc X, mais néanmoins, ça a quand même très affaibli l'arc X. Voilà, en deux coups, la reine s'en débarrasse et reste voilà. Donc, on voit bien qu'il reste encore des boulistes, la reine et les guérisseuses. Donc, ça finira forcément par faire un 3 étoiles. Donc voilà, encore une fois, sur cette deuxième attaque, on voit l'efficacité de cette composition boliste et Queen Wall qui forme quand même un duo très intéressant pour des attaques en GDC. Une autre attaque, cette fois-ci du joueur Kevs, pardon, toujours du clan la Jashaska, avec exactement la copie conforme de la composition d'attaque de Geoship, alors qu'il a plutôt un sort, le fameux sort squelettique qui a été débloqué pour HDV9 et que personne ne se sert, apparemment Kevs, oui, mais honnêtement, hein, j'ai pas vu grand monde qui utilise ce sort squelettique. Donc, même composition, même stratégie d'attaque avec la reine d'un côté, un Queen Walk, donc là, elle va se débarrasser, donc là, elle est targetée par deux canons plus la TDS. Et je vais vous montrer hein, prochainement, hein, promis, une vidéo pour optimiser cette première phase de Queen Walk qui permettra de préserver beaucoup de choses. Je vous dis pas plus que ça. Vous verrez. Donc voilà, l'autre côté, pardon, l'autre coin, pour être exact dans mes termes, c'est les ballistes qui nettoient un maximum et on envoie les sorciers pour nettoyer les derniers petits bâtiments. Et ensuite, la troupe de petites rousses qui vont rentrer directement à l'intérieur du village. Le sort était très bien placé pour les quatre compartiments, incluant celui des de l'arc X. Il a envoyé son petit sort squelettique, mais à mon avis, il ne va pas faire grand-chose. Le sort de poison, ça servira beaucoup plus. Je préfère prendre un double poison dans ce cas. Donc là, nous avons un super Queen Walk à l'intérieur du village avec les boulistes. Et de l'autre côté, nous avons également le roi qui est guéri, on va dire, hein, par les guérisseuses. Un petit peu, les Valkyries aussi sont guéries. Bon, là, elle a été détruite sur le côté gauche du village. Donc, en tout cas, on voit bien qu'à l'intérieur du village, nous avons encore la reine plus les boulistes et le roi. Et tout ça va finir par éliminer, puisqu'il a encore la capacité des héros, hein, on voit bien. Le village n'était pas forcément facile, il faut l'avouer, parce qu'il y a quand même pas mal. Là, on voit qu'à l'intérieur, pas mal de compartiments, petits compartiments, ça ralentit énormément. Donc, on voit bien que ça ralentit la reine, ça ralentit le bouliste. Donc, c'est pas un village assez facile. Donc, là, on arrive à la fin. Donc, il reste pas grand-chose. Ça va finir par faire à 3 étoiles. Donc, voilà, sur ces gameplays, j'espère que cette composition vous plaira. Là, on voit bien hein, que le roi, il restait pas grand-chose. Hein, il restait pas grand-chose. Un ch'touille, quoi, 0,5% de points de vie, peut-être. Mais nécessaire et suffisante, pardon, pour finir sur cette attaque avec les 3 étoiles. Ouais, j'espère que cette vidéo avec cette composition vous a plu. En tout cas, voilà, on voit bien l'efficacité de cette approche de double walk, un queen walk d'un côté, un boulist walk. Évidemment, il faut prendre des boulists level 3, hein, level maximum, ça sera beaucoup mieux. Donc, on a vu que les choses à ne pas faire, c'est d'envoyer les Valkyries très tôt. Sinon, elles vont faire le tour du village pour éliminer les défenses ou les bâtiments extérieurs. Il faut bien nettoyer avec la reine sur un coin, bien nettoyer avec les boulistes sur un autre coin, nettoyer le milieu avec les quelques petits sorciers que vous avez et vous envoyez vos Valkyries directement au milieu.
Le sort de seau, donc on voit bien que dans cette composition, c'est le sort de seau qui a été largement utilisé et qui me semble être vraiment très très adéquat que un 3, un 4 séisme, parce que ça vous fait perdre quand même un sort supplémentaire. Donc je n'ai pas souvent parlé des sorts dans les gameplays, mais vous avez sans doute vu leur utilisation, donc sort de soins pour soigner et leur rage pour enrager encore plus les Valkyries, surtout à l'intérieur dans la première phase d'attaque. Voilà. J'espère que cette composition et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Donc je m'excuse encore pour le peu d'activité ces derniers temps. Les vacances se terminent. Il faut bien que je profite également, moi aussi, de ces petites vacances. Allez, ciao, bis à tous et à très très bientôt.